j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une femme à barbe. Et pour cela, j'ai décidé de l'incarner en femme un peu voyante, vous voyez, les trucs comme ça, spiritisme. Voilà. Avec ce troisième œil qui m'a littéralement fait chier à faire. Si tu ne me connais pas encore, et ben bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Perrine et je fais des maquillages mode beauté, FX et artistique. Et cette année pour Halloween, j'ai décidé de faire 31 vidéos, donc une vidéo par jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos de demain et d'après-demain et encore après-demain. Et d'ailleurs, si tu reproduis un de mes looks, je t'invite à aller me suivre sur Instagram, m'identifier, mettre le hashtag PerrineMu et comme ça je pourrai voir la publication, la liker et la commenter, puis aussi la partager. Sans plus tarder, on commence avec le tuto. J'ai enfilé ma tenue de voyante avec un bandeau qui vient de Amazon et un kimono que j'avais déjà chez moi. Et je viens mettre mon fond de teint NARS donc sur tout mon visage ainsi que sur mon buste et mon cou. On va se mettre quand même de l'anti-cerne bien évidemment. Donc là c'est le Shape Tape de Tarte, vraiment c'est mon anti-cerne préféré. Vraiment il est trop bien et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Après oui, il faut le poudrer bien évidemment. Et donc pour cela je viens prendre la poudre super matte de chez Make Up For Ever à l'aide d'une houppette et j'en applique sur tout mon visage. Bien sûr également au niveau de mes paupières pour les matifier. Et ensuite je viens prendre mon pinceau pour balayer le surplus de poudre. Je prends mon bronzer, donc je fais un mélange des deux, c'est la palette Lidit chez Make Up For Ever. Et je l'applique sur mes zones de contouring habituelles bien évidemment. Et j'en mets également sur mes sternocleidomastoïdiens, donc c'est le creux du cou, vous voyez, là. Et donc j'en applique voilà, sur les endroits. Et ensuite je prends un crayon sourcil, enfin j'en prends deux, j'en prends un marron clair et un marron foncé. Pour faire en fait un mono sourcil, et j'ai fait également mes sourcils avec le produit que je fais d'habitude. Ensuite je prends un crayon blanc. Parce que je viens faire un œil, mais c'était la grosse galère. Donc il faut faire attention d'avoir un truc bien qui ressemble à un œil, on va dire. Avec une pupille tout au milieu. Donc là, je viens reprendre ma poudre de contouring et je repasse en fait pour faire un espèce de creux. Et donc j'applique également de la lumière en fait, du blanc au niveau des autres côtés pour faire un effet d'optique. Et donc ensuite là, je viens prendre un fard à l'eau de couleur blanc. Pour faire l'œil en fait. Enfin là je vais vous laisser avec les étapes parce que pour expliquer l'œil, ça va être trop compliqué. Lorsque j'ai fait mes contours en noir, je viens reprendre mon liner parce que avec le fard à l'eau c'était pas top. Donc je viens refaire les contours, sauf que je les ai fait tellement gros. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on va dire que le regard est bien intense en noir. Là, j'ai pris de la Metal Powder de chez Make Up For Ever que j'ai dilué avec un aquacide, c'est un fluidifieur pour rendre la poudre en fait fluide. Et donc je fais une forme assez, je sais pas, un peu... Je saurais pas vous dire d'où m'est venue cette forme, mais elle m'est venue. Ensuite, avec mon liner blanc de chez Make Up For Ever, j'ai fait mon point de pupille. Et je n'oublie pas de faire des ombres à quelques endroits pour avoir un œil plutôt réaliste. J'avais mis des faux cils, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'œil, mais j'aimais pas, donc vous allez voir par la suite. Donc là, j'ai mis ma base Pelouise et là, j'applique un marron au clair pour la transition, ainsi qu'un marron foncé de la palette Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. J'estompe et je viens jusqu'à mon coin interne en fait avec cette couleur marron foncé. Et ensuite, je viens reprendre mon pinceau de couleur de transition pour fondre les deux couleurs ensemble. Je reprends ma base Pelouise avec un pinceau plat pour effectuer mon cut crease, donc vraiment en petite touche, hein. Et je reprends mon pinceau foncé et je viens dégrader le tout avec la base Pelouise pour pas que ça fasse une grosse barre dégueulasse. Et je prends un pinceau plat ensuite et je viens appliquer une couleur argentée dorée sur l'ensemble de ma base Pelouise que j'ai pu mettre. Alors ne dégradez pas avec le haut parce qu'un cut crease c'est fait pour être cut. Cut c'est coupé. Voilà, donc ça veut pas dire que c'est fondu. C'est pas fondu entre les deux, voyez. Et là donc j'ai appliqué un rat de cils de la même couleur que ma couleur plus foncée. Avec un intérieur doré comme en fait comme la Metal Powder que j'ai pu faire au-dessus. Et là je fais exactement le même processus avec le même produit. Voilà. Et que dire de plus, j'en applique un peu dans la muqueuse mais faites attention parce que c'est un produit waterproof donc ça fait ça assèche. Voilà. Là j'ai pris un fard à l'eau marron et je prends mon éponge à barbe.
Et en fait, je viens faire tout simplement ma barbe parce que, ouais, je suis une femme à barbe aujourd'hui. Hein. Et ensuite, je prends un fard à lot noir et j'en applique également par touche sur ma barbe pour faire un petit contraste en fait. Parce que, faut savoir que nos cheveux, nos poils ne sont pas tout le temps de la même couleur, c'est pas homogène. Hein. Et donc là, je viens ajouter des glitter liner, enfin un glitter liner de chez Urban Decay, c'est un doré. Et donc, j'applique sur mes formes que j'ai mis un peu métal parce que je trouvais qu'il manquait un peu de paillettes. C'est. Ouais, c'est Halloween, mais qui dit que, enfin, on n'a pas le droit aux paillettes. Donc là, je reprends mon liner et c'est là que j'ai commencé à changer mon truc dégueulasse, vous voyez. J'ai pas filmé parce que c'était trop galère. J'ai fait une pointe en coin interne de mon œil, de mon faux œil, et un cat liner. Voilà. Ensuite, j'ai fait une fausse barbe avec des poils. En fait, c'est de la crêpe de laine et c'est tout simplement pour faire du poilage dans les effets spéciaux. Donc, je suis pas la pro pour utiliser ça. Mais je l'ai tout simplement appliqué en grosse quantité, en genre. Allez, une barbe. Et je l'ai peint avec une bombe cheveux type... Enfin non, c'est pas Crazy Color. Je sais plus, c'est les trucs de fête, là, vous voyez. Et voilà. Ensuite, je l'ai appliqué avec ma Spirit Gum de Make Up For Ever. Ça fait très, très génie, très Aladdin. Mais bon, voilà. Et ensuite, j'ai appliqué du gel pour fixer un peu la forme de la barbe que je voulais te donner. Et j'ai appliqué un rouge à lèvres MAC, c'est le Twiggy. Voilà, parce qu'en fait, on est une femme à barbe. C'est pas parce qu'on est une barbe qu'on peut pas se maquiller, hein. Voilà. Terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao !